Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez de ma longue vidéo sur le Gorosei? Eh bien, avec les récents chapitres, le 1085 surtout, j'ai décidé d'en refaire une autre. Je vais donc vous parler, bien évidemment, des pouvoirs des 5 doyens, mais pas que, je vais aussi parler de Imu. Dans le chapitre 1085, nous découvrons que ces 6 personnages ont ce qui semble clairement être des pouvoirs de fruits du démon. Quelque chose sur lequel je ne m'étais absolument pas trompé, d'ailleurs je tiens à le redire, c'était logique que les 5 doyens soient des combattants. Mais bon, là n'est plus le sujet maintenant. Replongeons-nous dans le chapitre 1085. La phrase de Sabo « Je ne m'attendais pas à trouver l'enfer au sommet du monde » est une métaphore concernant son étonnement de découvrir que des saints ont mangé des fruits du démon. Il n'est pas impressionné par leur apparence, il est donc face à un phénomène qu'il connaît, des hommes avec des pouvoirs de fruits du démon. Dans ce cas, partons du principe qu'il est inutile d'imaginer de nouveaux pouvoirs quelconques ou de races. De toute façon, le fait que Sabo n'ait pas eu de réaction étrange parle d'elle-même, parce que s'il y avait un truc bizarre, il en aurait forcément parlé à Dragon et Wankoff. Donc voilà. Selon moi, Imu et les 5 doyens ont tous des Zoan mythologiques, qui est mon interprétation originale d'ailleurs. Il n'est pas à exclure qu'ils aient par exemple des logias, puisqu'on sait que les logias peuvent prendre certaines formes, on l'a déjà vu avec Enel et même César, mais bon, moi personnellement je suis convaincu qu'ils ont tous des Zoan mythologiques. D'ailleurs, sur cette page, on distingue la silhouette d'un bovin, d'un oiseau, d'un ce qui semble un éléphant, un phacochère, ainsi qu'une silhouette vraisemblablement humanoïde et une autre totalement méconnaissable. Ce sont les 5 doyens et derrière eux, on a l'aura menaçante de Imu. Dans le chapitre 1085, les 5 doyens sont toujours représentés dans un même ordre précis, de gauche à droite. On a Saturne, Jupiter, Vénus Juro, Mars et Warcury. Donc, on peut assumer que leurs formes monstres sont également dans le même ordre. Donc, le bovin Saturne, la forme méconnaissable Jupiter, la forme vraisemblablement humanoïde Vénus Juro, l'oiseau Mars et enfin le pachyderme Warcury. Je vais donc procéder ainsi dans ma vidéo. Peut-être que je me plante, mais vu l'ordre dans lequel sont montrés les doyens dans ce chapitre, je pense que c'est logique. Donc on va commencer du plus simple, selon moi, de mon point de vue, au plus compliqué. C'est comme ça que je vais procéder pour le coup. Je vais donc commencer par Saturne. Donc, comme je le disais, on dirait un bovin. Mais il n'est pas à exclure que ce soit également une sorte de démon. Pour les bovins, j'en ai trouvé un assez intéressant, l'Ophiotaurus, une créature mi-taureau, mi-serpent dans la mythologie grecque. Je trouve que ça peut se tenir, mais dans le sens des démons, il y a un peu plus de possibilités. On a le Oshi Oni, surnommé le démon vache, donc toujours dans le terme bovin et aussi dans le terme démon, qui est un yokai du folklore japonais et qui est absolument dégueulasse. Bon, je doute que l'un des personnages les plus intéressants ait un pouvoir aussi dégueulasse, mais bon, ceci n'est pas à exclure. Il y a aussi la possibilité qu'il est le fruit du diable, de Satan. La queue qui a transpercé Cobra venait de la direction de Saturne. Donc c'est très possible. On pensait que c'était Imu, mais avec du recul, vu qu'elle venait de la direction de Saturne, c'est peut-être son pouvoir à lui.
Donc, pourquoi pas le diable? Sinon, il y a aussi le Oni, vu que sa silhouette ressemble assez à Onigashima. Et personnellement, moi, j'ai opté pour le diable. Pourquoi? La dernière fois, dans ma review du chapitre 1085, je disais que Imu avait probablement le fruit du diable, puisque j'avais conclu que cette queue, c'était pour Imu, tu vois. Mais bon, j'ai changé d'avis, comme vous le voyez. Et du coup, je me suis posé des questions et je trouve que ça irait bien à Saturne. Pourquoi? Eh bien, le diable déjà appartient à la mythologie chrétienne et il est considéré pour beaucoup comme un symbole de science. Et Saturne est le dieu guerrier de la science et de la défense. Je suis allé dans ce sens-là, les amis, pour faire mes recherches, je vous le dis tout de suite. Donc, Saturne aurait le Ito-Itonomi, modèle Satan. Ça lui irait plutôt bien et franchement, je trouverais vraiment ça stylé que dans One Piece, on ait le fruit du diable. Vraiment. Suivant, nous avons Mars. Avec sa forme oiseau, et ben, il y a de nombreuses idées, évidemment. Par exemple, Suzaku, je suis de retour, oui, sur l'oiseau vermillon. Vous vous souvenez, ma toute première théorie sur le Gorosei, c'était ça. Je disais que Mars était l'oiseau vermillon, étant donné que Seiryu, le dragon azur, existe déjà dans One Piece. J'avais spéculé que les autres existaient probablement, et je pense toujours que c'est le cas, mais peut-être que c'est pas pour les doyens, du coup. À part pour Mars, qui reste une possibilité, c'était ma première idée, et vu que l'oiseau vermillon représente Mars, la planète, donc pourquoi pas, c'est toujours d'actualité. Mais j'ai aussi cherché d'autres possibilités, comme par exemple Garuda, le roi des oiseaux dans la mythologie hindouiste. D'ailleurs, c'est aussi le surnom de Judge, le père de Sanji. On a aussi Ziz, qui est l'équivalent du griffon dans la mythologie grecque. L'Auroch, qui est un oiseau fabuleux dans diverses mythologies. Ou encore le fameux Quetzalcoatl, le serpent à plumes dans la mythologie aztèque. Les gars, j'adore l'idée, vraiment. Sauf que si on se base sur ma perception des doyens dans le chapitre 1085, eh ben ça se peut pas, parce que Quetzalcoatl est lié à Vénus et non à Mars. Donc, techniquement, ça ne marche pas. Mais j'ai eu une autre idée, l'oiseau tonnerre dans la mythologie indienne. Cet oiseau est un symbole de la nature. Et Mars est le dieu guerrier de l'environnement. Donc Mars aurait le Toritorinomi, modèle l'oiseau tonnerre. Le suivant, Warkuri. Il a la forme d'un pachyderme, d'un phacochère, d'une espèce d'éléphant, enfin bref. Et j'ai dû me creuser la tête pour lui. J'ai d'abord pensé à Mocus, dieu celtique identifié à Mercure, qui ressemble à un sanglier. Et ça m'a semblé logique sur le coup. Mais évidemment, j'ai fait d'autres recherches. Par exemple, Behemoth, créature biblique à diverses descriptions, parfois représentée comme un hippopotame, en admettant que c'est hippopotame, l'espèce de corne qu'on voit sur la silhouette, peut-être c'est simplement la moustache de Warkuri. Mais bon, Behemoth est aussi représenté comme un éléphant. Et je trouve que c'est beaucoup plus plausible pour le coup. Il y a aussi Ganesh, dieu hindouiste qui ressemble à un éléphant, ce qui est totalement plausible vu le statut de dieu des cinq doyens. Mais j'ai aussi pensé à un autre éléphant, Eravata, l'éléphant blanc, le roi des éléphants célestes dans la mythologie thaïlandaise. Ouais, je suis allé loin. Cet éléphant est un symbole de justice. Et Warkuri est le dieu guerrier de la justice. Donc là encore, on a un lien. Warkuri aurait donc le Zuzunomi, modèle Araveta. Mais je vais quand même pas vous mentir, j'aime aussi beaucoup l'idée de Mocus. Donc c'est ma seconde idée pour Warkuri. Passons maintenant à Vénus Juro. Il semble avoir une forme humanoïde, d'autres y voient un serpent. Certains ont souligné l'idée, peut-être, du fameux serpent géant de la mythologie nordique qui est fils de Loki,
Ouais, j'ai des problèmes pour prononcer ce nom, c'est pour ça que je le dis pas. Bah, vous voyez sans doute de qui je parle, évidemment, si vous êtes calé en mythologie. Mais bon, moi personnellement, je pense pas. Il y a Byakko, le tigre blanc, ou bien Genbu, la tortue noire. Tout comme j'ai mentionné tout à l'heure Suzaku, l'oiseau vermillon, c'est exactement de même calibre. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, évidemment. La tortue, ça peut marcher, sauf que Genbu est lié à Mercure et non à Vénus. Byakko, lui, est lié à Vénus, sauf qu'on dirait pas du tout un tigre. Du coup, je suis carrément allé voir ailleurs. Étant donné que Vénus Jūrō a un air très très japonais, j'imagine qu'il vient de Wano, donc du coup, je suis allé chercher du côté de la mythologie japonaise. Je suis aussi allé du côté de Fruits de l'Humain et j'ai eu deux idées. Déjà, le Take Mikazushi, dieu japonais à l'épée de tonnerre. Zoro a toujours dit qu'il ne croyait pas en Dieu, donc quoi de mieux qu'un combat contre un dieu japonais, justement, puisqu'à mon sens, Zoro va affronter ce mec-là. Bon, j'avoue que dieu du tonnerre, ça fait écho à Enel, mais bon. Et enfin, j'ai eu une autre idée, la divinité japonaise Daiko Kuten. Il est lié à la richesse, au commerce et aux échanges. Et Vénus Jūrō est le dieu guerrier des finances. Donc, encore un lien, comme pour les autres. Alors, Vénus Jūrō aurait probablement le Itoitonomi, modèle Daiko Kuten. Et enfin, pour terminer avec les doyens, il reste Jupiter. Là, par contre, les amis, c'est le plus compliqué. Je me suis tiré les cheveux et putain, je suis dans une impasse en fait. C'est le seul pour lequel je n'ai pas d'idée concrète. J'ai cherché, évidemment, hein, j'ai cherché, mais je n'ai pas d'idée concrète. J'ai d'abord pensé à Lumibozu, mais j'ai une autre idée pour ce truc, j'en reparle tout à l'heure évidemment. Genbu et Byakko, bah, on oublie étant donné qu'aucun d'eux n'est lié à la planète Jupiter. S'agit-il d'un dragon? Enfin, non, ça y ressemble pas. Enfin, voilà, comme j'étais dans une impasse, je suis allé dans une autre direction. J'ai recherché les divinités liées à l'agriculture, étant donné que Jupiter est le dieu guerrier de l'agriculture. Et la liste est longue, les amis. La liste est très très longue. Première chose qui m'a tapé dans l'œil, c'est Sekhmet, déesse de la mythologie égyptienne à tête de lionne, qui, malgré son statut d'antagoniste, est indispensable à l'agriculture. Mais en soi, ce n'est pas une divinité de l'agriculture. Vous saisissez? Donc, je suis allé dans ce sens-là, mais je suis dans une impasse parce que, en soi, l'ombre n'aide clairement pas du tout. Non, ça n'aide pas. Tu n'arrives pas à savoir exactement quelle forme ça représente. C'est pas possible, cette forme est tellement étrange, j'arrive pas à trouver une idée concrète. Il y a des chances finalement que c'est peut-être un Logia, vu que les Logias peuvent prendre une certaine apparence, comme je vous l'ai dit tantôt, mais vu que les Oannes mythologiques sont les fruits des démons les plus puissants en soi, oh putain, j'en ai aucune idée, et je peux vous dire que complètement séché là-dessus, ça me fait bien chier parce que j'ai des idées pour tous, sauf pour lui. Et ça m'énerve parce que généralement, quand je fais des vidéos sur tel ou un tel, avec tel ou tel pouvoir de fou du démon, j'ai toujours une idée. Même si je me plante au poté, évidemment, j'ai toujours une idée. Mais là, ça m'énerve parce que j'en ai pas. Et j'ai refait des recherches encore récemment, j'ai toujours pas trouvé d'idées précises. C'est énervant, je vais pas vous mentir. Franchement, je sais pas, alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, hein. Est-ce que c'est une forme humanoïde selon vous, une forme animale, forme d'un yokai ou je ne sais pas quoi? J'arrive vraiment pas à trouver, quoi. Toujours dans le sens mythologique, hein, mais voilà, n'hésitez pas à me proposer des idées si vous en avez. C'est le seul sur lequel je sèche complètement et ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment. Enfin bon, le Gorosei c'est fait, nous allons passer du coup à Imusama. Comme vous le savez, j'ai d'abord pensé au diable, car Satan est l'opposé de Dieu, et j'ai complètement abandonné ça au profit de Saturne. J'ai ensuite pensé au Léviathan. Ce monstre colossal, dragon, serpent et crocodile, peut être considéré comme l'évocation d'un cataclysme terrifiant, capable de modifier la planète et d'en bousculer l'ordre et la géographie,
ainsi que d'anéantir le monde. Personnellement, ça lui irait tellement bien. Et puis, Léviathan est lié à Behemoth et Ziz, deux monstres que je vous ai évoqués précédemment avec deux doyens. Mais vu cette forme, ce qui semble être la forme de Himu, eh bien, on peut penser à Lumi Bozu, créature géante du folklore japonais qui s'attaque au bateau. Rappelez-vous des monstres du triangle de Florian, les amis. Pour beaucoup, Himu est lié à la mer, car Himu à l'envers donne Umi, qui signifie mer. Et franchement, c'est pas déconnant, ça se tient même totalement. Ces créatures aperçues à la fin de Trailer Back seraient donc un foreshadowing du pouvoir de l'antagoniste ultime du manga. Si cette ombre est bien Himu, alors on tient quelque chose, les amis. Clairement, on tient quelque chose. Si c'est bien Lumi Bozu, dans quelle catégorie le mettre? On peut pas le mettre dans le fruit de l'humain quand même, non? Je ne sais pas. Il n'est pas impossible que ce soit Lumi Bozu. J'aime l'idée de Léviathan, mais vu la forme là... Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Quel pouvoir de fruit du démon possède Himu et les cinq doyens? S'agit-il de Zoan mythologique? Ou est-ce que certains sont des Logia? Franchement, je sais pas, mais j'ai hâte d'en discuter avec vous. Donc, pour récapituler rapidement le truc, Saturne, Ito Ito no Mi, modèle Satan. Mars, Tori Tori no Mi, modèle Oiseau Tonnerre. Warkuri, Zouzou no Mi, modèle Araveta ou bien Mocus. Vénus, Jiro Ito Ito no Mi, modèle Daiko Kuten. Jupiter, aucune idée, aucune. Et enfin, Himu-sama, et ben Lumi Bozu, mais sans savoir dans quelle catégorie le mettre exactement. Enfin oui, comme je vous disais, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Bon, je pense que je vais me tromper sur certains. Je me suis très souvent trompé quand je faisais des théories sur les pouvoirs de fruits et démons de personnages. L'erreur sur lesquelles je me suis pas planté, c'était pour certains Tobi Roppo comme Wozwo ou Sasaki. Sinon, pour d'autres comme Queen, King ou encore Black Maria ou Yamato, je m'étais complètement planté. Là, je pense que ce sera pareil, mais bon, peut-être qu'au moins j'aurai raison sur un ou deux. Enfin, il est temps pour moi, les amis, de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous avez peut-être l'impression que j'ai fait des recherches bâclées. Sauf que non, les gars, rien n'est bâclé, en fait. J'ai fait des recherches à fond. Mais le fait de ne pas avoir trouvé pour Jupiter, eh ben, j'ai l'impression d'avoir fait un travail à moitié. Et j'aime pas ça. Pourtant, j'ai travaillé et je peux vous l'assurer. C'est pour ça que j'ai repoussé cette vidéo plusieurs fois. Parce que j'ai eu d'autres idées entre temps. Et aussi parce que je voulais travailler davantage. Mais au final, ça n'a pas très bien fonctionné. Hein. Enfin, bref. En plus d'un commentaire me donnant vos propres théories sur les pouvoirs des 5 doyens et de Himu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est toujours encourageant. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment comme d'habitude dans la description. Et évidemment, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!